que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez ici, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans et je suis étudiante en école de design et passionnée depuis quasiment à peu près un an par la couture et le recyclage, et c'est ce que je partage avec vous sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour faire le bilan couture des, attention, 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, donc du mois de février, mars et avril 2021. Pourquoi une temporalité aussi longue? Je m'explique. En fait, j'étais donc en stage au mois de mars, donc c'est un peu un mois blanc, c'est un peu cheaté. C'est-à-dire qu'en mars, je n'ai pas pu coudre, donc ça compte pas. Et j'ai très peu cousu sur le mois de février, mais j'ai quand même quelques pièces que j'aimerais vous montrer. Et voilà, notamment vous représenter les petites pièces que je vous avais déjà montrées un petit peu dans le vlog couture, le vlog numéro 1 que je vous remets quelque part dans le i. Voilà, je vais surtout m'attarder du coup sur les pièces que j'ai cousues au mois d'avril. Il y a quelques pièces voilà que j'aimerais vous présenter, des pièces qui m'ont pris un petit peu de temps, donc j'ai envie de vous parler un petit peu dans le détail. Donc je vais passer assez vite sur la partie du début où je vais vous parler donc des pièces du mois de février et du mois de mars, mais il n'y a pas de pièces au mois de mars. Et puis ensuite on parlera de la suite. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Je fais aussi une aparté puisque c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement en commentaire sous plusieurs vidéos. J'ai tendance à parler très vite. Voilà, je m'en excuse. J'ai l'habitude dans ma vie quotidienne de parler assez vite et c'est vrai que souvent je m'en rends pas compte. Donc là je fais un effort pour essayer d'articuler et de poser un petit peu, de poser mes phrases, mais je suis persuadée qu'à un moment donné de la vidéo j'aurais oublié de parler lentement. Donc voilà, si jamais vous voulez absolument regarder mon contenu mais que je parle trop vite, je vous invite à décélérer un petit peu la vidéo. Vous avez une fonction dans les paramètres de la vidéo juste en dessous et voilà, et à réduire en fait mon débit de parole puisque je fais au mieux, mais il y a des choses comme ça, il y a des habitudes qu'on peut pas chasser aussi vite. Donc voilà, je prends en compte vos commentaires, je fais attention, mais je suis pas surhumaine non plus. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer, et puis j'espère que ça va vous plaire. Alors, la première pièce, je vais passer super rapidement, puisque je vous l'ai présentée dans le vlog couture, je vous l'ai présentée dans la dernière vidéo. Donc sur l'ensemble toile de Jouy. Il s'agit de la veste Madame Dita de Studio Schnittreif. Allez, on va dire que ça se prononce comme ça. C'est donc une petite veste workwear que je ne présente plus sur cette chaîne. D'ailleurs, j'ai vu que certaines d'entre vous l'avaient cousue. Moi, je suis curieuse d'ailleurs de voir vos réalisations. N'hésitez pas à me les envoyer par mail ou sur Instagram. Donc la veste Madame Dita, c'est une veste workwear assez simple. Je ne présente plus le patron. De toute façon, tous les patrons sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si vous cherchez un patron que je présente dans la vidéo. Sauf si c'est un patron maison, bien évidemment. Pour le tissu, j'ai utilisé un rideau de seconde main. C'est un rideau gris comme ça, assez doux. C'est une matière qui fait penser vachement aux vêtements de sport. Alors le soleil va jouer à cache-cache, donc la luminosité va certainement bouger durant la vidéo, je m'en excuse, je ne maîtrise pas les éléments hein. Voilà, donc c'est une petite veste voilà, très sympa à porter pour le printemps, qui est très chouette. Et le tissu est assez doux, assez agréable à porter, avec ce côté un petit peu sportif du tissu. Je trouve que c'est assez agréable. Voilà, pas de difficulté. Comme je vous l'avais mentionné dans la dernière vidéo, c'est une veste qui est hyper accessible aux débutants. Il y a voilà, énormément de choses qui sont facilitées dans les étapes de couture. Les étapes de montage en fait du patron sont très très simples et vraiment très bien expliquées. Donc je vous invite, si jamais vous cherchez une petite veste très simple à coudre, à regarder la veste Madame Dita que je trouve du coup moi sur la plateforme Makerist. Voilà pour la première pièce. Maintenant de deux pièces que je vous ai déjà présentées dans le vlog couture. Alors je suis assez proche de la caméra et en plus de ça il y a beaucoup de lumière, donc ce sera plus sympa sur les petits aperçus. Mais voilà, j'ai cousu ces deux petits tops. Alors ça c'était au mois de février, je les ai cousus dans le vlog couture. Donc si vous souhaitez savoir un petit peu comment j'ai fait et comment j'ai cousu ces deux petits hauts, donc ces deux petits crop tops on peut le dire, je vous invite à regarder le vlog couture. Mais donc globalement, mon retour. J'ai donc cousu ces deux petits tops dans des tissus de seconde main. Pour le premier, il s'agit d'un tissu chevronné. C'était une housse de couette, c'est une couverture ou un rideau
rideau, je sais plus trop. Donc c'est une matière assez rigide, mais assez sympa je trouve pour ce type de haut. Et pour l'autre, il s'agit tout simplement d'une taie de traversin en coton, voilà, que j'ai utilisé, que j'avais acheté de seconde main en recyclerie. Donc globalement les tissus m'ont coûté un truc comme 2 € le tissu, donc c'était vraiment... vraiment rien du tout. Pour ce qui est des patrons en soie, donc c'est un patron maison, c'est-à-dire que j'utilise une sorte de buste de base que je m'étais créée en clonant un t-shirt. Et donc j'en ai fait 2 versions différentes. Une version, voilà, assez simple, avec la petite goutte dans le dos comme ça à l'arrière que je trouve très sympa, les manches assez bouffantes avec cet élastique qui resserre au niveau du bras que je trouve assez chouette, qui donne ce côté très princesse, hein, qu'on voit beaucoup d'ailleurs sur les vêtements, que ce soit les collections de fast fashion, Mango, H&M, Zara, etc. Mais aussi sur les défilés, les manches assez présentes, les hauts assez amples, on en voit pas mal. Donc moi je trouve ça assez chouette, je suis ravie de cette tendance. Et puis voilà, j'avais également ajouté un petit jeu de plis à l'arrière, donc des plis plats, pour venir créer un détail dans le dos du top, que je ne regrette absolument pas parce que c'est juste trop trop beau. Donc celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et pour la deuxième version, j'ai cousu donc dans cette fameuse taie de traversin. Donc c'est un motif, c'est un tissu, voilà, fleuri, hyper mamie. Il y a plein de petites fleurs, je pense que vous verrez pas comme ça, mais voilà, plein de petites fleurs qui font que le motif est assez dense. Et donc ce que j'ai fait pour ce patron, c'est que à l'arrière, je me suis inspirée de ce qu'on voit aussi beaucoup dans les magasins, dans les magazines, voilà, sur Pinterest, etc. Et j'ai créé en fait une encolure carrée, encore une fois qu'on verra pas très bien ici. Et j'ai créé une fausse patte de boutonnage à l'arrière avec voilà, 4 petits boutons, pardon, dorés, qui donnent ces petits détails comme ça au dos que je trouve très jolis. J'ai moins d'atomes crochus avec celui-ci. C'est vrai que la forme des manches est pas forcément une forme qui me plaît énormément. Je pense que je vais le reprendre un petit peu, je verrai comment je fais, mais en tout cas voilà, j'étais quand même ravie de ces 2 petits hauts que je trouve très sympas et qui sont très chouettes pour le printemps. Ça fait une bonne base, on va dire, pour porter avec un petit jean comme ça. C'est des vêtements assez simples à porter, donc je trouve ça très cool. On passe maintenant à la 3e/4e pièce de ce bilan couture. J'avais très envie de patronner, en tout cas de me créer des choses, et je me suis cousu cette petite jupe. Alors elle est un peu froissée, en réalité elle est un peu impossible à repasser, mais je me suis cousu cette petite jupe que je qualifierais d'inspiration western, hein. Clairement ça fait très tu portes ça avec des boots, c'est une chemise, je pense que je peux aller danser en carré, hein. Mais voilà, c'est une petite jupe dans un tissu rayé vert sapin, c'est pas du bleu, et ça je trouvais ça très original. C'est un morceau de coton qu'on m'a donné il y a quelques années déjà. Alors là, en termes de luminosité, on va saturer à fond parce que le soleil est revenu. Mais voilà, c'est un morceau de coton qu'on m'a donné il y a quelques années. Donc c'est du recyclage à fond. Et c'est une petite jupe, voilà, que j'ai vu pas mal passer. Alors il y a pas mal de modèles qui ont un peu cette inspiration-là. Alors pas forcément avec une superposition de volants comme ça. Mais par exemple, la jupe Bélisse de Pretty Mercery, qui a un peu ce style un peu volanté, un peu froncé comme ça, très chouette, que je trouve assez jolie. Moi j'avais envie d'avoir voilà, une jupe avec des volants qui se superposent, et donc pour ça j'ai tout simplement créé 2 rectangles de tissu que je suis venue superposer l'un au-dessus de l'autre. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est très grand et un qui est un peu plus court. Et puis j'ai fait également une ceinture, donc une ceinture élastique à ce niveau-là. Donc j'ai tout simplement créé un rectangle de tissu que j'ai plié en fait sur lui-même, et qui est venu fermer la jupe, et à l'intérieur duquel j'ai passé un élastique. Donc je le porte moi avec cette ceinture en velours, pour une espèce de d'effet velours comme ça que j'avais trouvé de seconde main, et je trouve qu'elle est très sympa. Pareil, voilà, à porter avec des petites baskets et un petit top blanc comme ça en été, là pour la période du printemps, je trouve que c'est très sympa. Et ça m'a pris quelques heures à faire, hein, 1h30, 2h maximum, et c'est très cool. Donc voilà, je suis assez contente de ce petit modèle. Je vais poser les vêtements derrière moi, ils vont s'accumuler, mais c'est pas grave. Ensuite,
switch maintenant, on passe du mois de février au mois de mars et au mois d'avril. Et en rentrant de stage, autant vous dire que après un mois sans couture, ça me démangeait. J'ai eu un mois pour regarder sur Pinterest ce que je voulais coudre, ce que je voulais me faire. Et autant vous dire qu'en écumant Instagram, je suis tombée sur un patron, mais le patron que je cherchais depuis des mois. Il s'agit de la combinaison Tulia de Fibre Mousse. Alors je vais la mettre sur centre, ce sera plus joli. Donc la fameuse combinaison Tulia de Fibre Mousse, je vous l'ai présentée sur Instagram en photo. C'est la version en lin que j'ai cousue donc directement en rentrant de stage au début du mois d'avril. La combinaison Tulia, c'est une combinaison pantalon inspiration 80s que vous pouvez retrouver sur le site de Fibre Mousse ou alors dans le magazine, alors pas le dernier magazine qui est sorti mais le magazine du mois de mars-avril je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. C'est un patron qui coûte 7,50€ si vous l'achetez en PDF sur internet, sinon le magazine coûte 12,50€ je crois et vous pouvez le commander. Et donc vous retrouverez le patron de la combinaison mais aussi d'autres patrons de la collection de Fibre Mousse. Donc pour ce qui est de cette combinaison, c'est donc une combinaison comme je vous l'ai dit inspiration 80s avec ce haut assez original, ce col tailleur. Alors je vous le montre pas de plus près parce que c'était mon premier col tailleur et qu'il n'est pas parfait, loin de là. Mais donc avec son col tailleur, son effet de pli comme ça qui est très joli sur le devant et ce faux pli comme ça qui crée une sorte d'épaulette que je trouve juste archi classe, ça fait très Isabelle Marant, je trouve ça sublime. Au niveau du pantalon, on a une coupe assez mom comme ça, assez ample que je trouve très jolie, qui est rehaussée par des petits plis comme ça sur le devant. Et puis à l'arrière on a cette ceinture élastique qui donne un côté un petit peu casual je trouve à cette combinaison. Le côté un peu, ça casse le côté très classe en fait qu'on peut avoir sur le col tailleur qui donne un côté un peu je travaille dans des bureaux. Et en fait finalement derrière on a cet élastique qui donne le côté un petit peu c'est un vêtement classe. Facile à porter parce qu'une combinaison on n'a pas besoin de choisir le haut, le bas, tout est ensemble en fait, mais en même temps c'est très confortable et ça moi c'est exactement le genre de vêtements que je recherche, c'est à dire des vêtements qui soient à la fois extrêmement confortables à porter, c'est vraiment des vêtements on va dire des vêtements trompe-l'œil entre guillemets, c'est des vêtements qui ont l'air d'être extrêmement classe, extrêmement sophistiqué ou en tout cas plutôt classe et plutôt sophistiqué, mais en même temps qui sont d'une confortabilité, d'un confort inimitable et moi c'est vraiment ce que je recherche. Donc j'ai adoré le modèle de la combinaison déjà sur papier glacé, mais alors en vrai autant vous dire que j'en suis dingue. C'est donc une combinaison qui est très facile, non qui est pas facile à coudre, non j'allais dire qui est très facile à coudre. Elle n'est pas particulièrement difficile mais disons qu'il y a quelques points techniques tels que la pose d'un col tailleur qui peuvent poser problème et qui font que cette combinaison n'est pas forcément très accessible aux débutants. Moi ce que je vous conseillerais si vous débutez en couture et que vous avez très envie de vous coudre cette combinaison, c'est tout simplement de faire une toile, c'est à dire de ne pas faire ce que j'ai fait puisque moi j'ai eu quelques soucis au niveau du col tailleur, hein, comme je vous l'ai dit je vous le montre pas parce qu'il est pas très beau. C'est pas évident à coudre un col tailleur, je vous conseille de regarder une vidéo magique que je vous mets en barre d'infos qui m'a un petit peu expliqué quelle a été mon erreur au niveau du col tailleur, c'est à dire que j'ai trop cousu en fait et du coup j'ai pas d'aisance en fait, ça tire sur le tissu ce qui fait que ça fait des plis. Donc c'est pas très sympa. Et puis voilà. Mais sinon au niveau difficulté, le reste de la combinaison est assez facile. Il y a juste voilà la pose d'une braguette à ce niveau-là qui peut être potentiellement un petit peu compliquée, mais globalement ça reste quand même très accessible. Voilà, si vous souhaitez vous y prendre sur cette combinaison, il faut à mon avis faire une toile et il faut à mon avis prendre son temps. Je pense que de toute façon c'est un conseil qui est assez universel au niveau des pièces couture, hein. Il faut prendre son temps quand on coud. Mais voilà, j'ai pas eu d'autres... alors si, j'ai fait quelques modifications quand même sur ce patron. Je vais avoir le bras très musclé à la fin de la vidéo. J'ai fait quelques modifications. Moi j'ai tendance à avoir un petit buste. Enfin c'est pas que j'ai tendance, c'est que j'ai un petit buste. Donc j'ai dû réduire le buste. Mais comme je n'ai pas fait de toile, et ben je l'ai fait sur le vêtement fini. Alors c'est ce qu'il faut éviter de faire. Normalement on fait une toile pour voir les erreurs, ou en tout cas les potentiels ajustements qu'on peut faire sur son vêtement. Et comme ça on fait les ajustements sur le patron, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire d'ajustements sur le vêtement fini. Or moi j'avais la flemme de faire une toile, je me suis dit bump it up, je vais coudre ma combinaison dans mon lin, qui d'ailleurs est un lin de seconde main que j'avais trouvé d'occasion, c'est un coupon que j'ai acheté 4€, j'en avais 3 mètres, c'est juste... la magie de la seconde main, hein, voilà. Et donc j'ai cousu ma combinaison, elle était très cool, sauf que le buste était trop grand. Donc j'ai dû en fait découdre la totalité de la ceinture sur le devant, rentrer la combinaison, enfin le haut de la combinaison un peu plus dans la ceinture et venir recoudre en fait pour pouvoir réduire la hauteur du buste. Mais en même temps j'ai conservé en fait une certaine grandeur au niveau du dos, ce qui fait que quand je la porte, vous le verrez sur les vidéos, en fait ça donne un côté un petit peu gonflé, un petit peu blousé de ce dos et que je trouve très sympa. Justement ça décale un petit peu le côté trop classe de la combinaison et donc j'ai voulu garder ça aussi
aussi sur ma version numéro 2 que je vais vous présenter juste après. Et l'autre modification que j'ai faite, c'est que j'ai réduit la largeur des jambes parce que c'était beaucoup trop grand pour moi. En fait, quand j'ai cousu la combinaison, ça faisait vraiment Bodo le clown. C'est-à-dire que j'avais en gros deux jambes hyper gonflées et c'était pas très flatteur, on va dire. C'était pas beau. Donc du coup, j'ai décidé de réduire les jambes et en fait, vu que j'ai réduit sur le vêtement fini, eh bien ça m'a réduit l'ouverture de poche, ce qui fait que voilà, ma main passe tout juste dans la poche, mais il faudrait pas avoir des grandes mains quoi. Donc voilà pour ce qui est des modifications. Et puis pour la pose de la braguette, j'ai repris des instructions de couture de Mèche d'Almas sur la vidéo du pantalon, enfin sur les instructions de montage du pantalon Cherry, et du coup c'est très très simple, ça m'a permis d'avoir une pose de braguette nickel et voilà, une combinaison qui est très cool, donc j'ai beaucoup de plaisir à la porter. Moi je la mets autant à la maison que pour aller faire des courses, que pour aller à l'école, enfin quand je peux aller à l'école puisque les étudiants en galère, n'est-ce pas, mais voilà, elle est très cool, passe partout et c'est le genre de pièce que moi j'aime trop avoir dans mon dressing, donc voilà. Et le budget pour cette combinaison, j'aime bien aussi rappeler ça, c'est que mon budget pour cette combinaison, ça a été en gros 4€ de tissu et 7,50€ de patron. La mercerie ne m'a quasiment rien coûté parce que j'ai tout acheté d'occasion également, donc ça c'est quand même super super cool. Et après il y a les heures de travail, c'est sûr, je pense que j'ai passé au moins 2 jours à coup de cette combinaison, mais voilà, avec une énorme fierté de pouvoir la porter et de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Je passe maintenant à la version numéro 2 puisque j'en ai cousu du coup une deuxième version et elle est un petit peu plus piquante. J'ai l'impression de moucher dans le retour caméra, c'est assez drôle. Pour cette deuxième version, je voulais une version un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, un peu plus colorée. Elle est complètement ouverte, bravo. Je voulais une version plus colorée parce que je me suis dit, bon voilà, une petite combinaison un peu passe-partout, beige, en lin, c'est sympa, c'est cool, c'est bien d'en avoir, mais moi j'aime bien la couleur. Dit-elle en portant du noir. Alors moi j'aime bien la couleur, j'aime bien porter quand même des choses un petit peu punchy et mon challenge aussi c'est de me coudre des vêtements un petit peu colorés pour pouvoir justement porter de la couleur et porter des vêtements handmade et surtout des vêtements recyclés, en tout cas avec des tissus de seconde main. Ça c'est, on va dire, mon goal ultime quoi. Et du coup j'ai puisé dans mon stock de tissus puisque comme je vous le disais dans la dernière vidéo, les magasins de seconde main étant fermés, j'ai dû en fait puiser dans mon stock de tissus pour coudre mes vêtements. Alors c'est très bien, hein, c'est une très bonne chose. J'ai utilisé du coup mon stock, mais c'est vrai que du coup j'ai dû aller dans les bas-fonds de ce que j'ai en termes de stock de tissu, et donc j'ai utilisé cette housse de couette qui est sentimentale pour moi puisque c'est un des premiers tissus de seconde main que j'ai acheté, donc autant vous dire que je l'aime d'amour. C'est une housse de couette en coton, je pense que c'est même une sorte de popeline de coton parce que c'est tellement tellement doux, vraiment c'est le genre de housse de couette je pense dans lesquelles tu fais des nuits merveilleuses. Je regrette parfois de pas l'avoir gardée en housse de couette et de l'avoir utilisée dans mon lit, mais en fait quand je vois cette combinaison je me dis que non, j'ai bien fait de l'utiliser pour la couture. Donc il s'agit de la combinaison Tulia, encore une fois en version 2.0 avec les améliorations que j'ai pu faire du coup via ma première version, donc notamment améliorer la pose du col tailleur qui est bien meilleure ici, hein. On voit, alors c'est pas encore ça mais c'est un peu plus net, vous voyez, on a quand même des détails un petit peu plus sympas. J'ai toujours des finitions en surjet à l'intérieur, alors là c'est du surjet blanc, moi je m'en fiche, je surjette tout en blanc, c'est d'ailleurs aussi un truc, j'ai pas de plusieurs couleurs de fil pour ma surjetteuse, j'ai que du blanc et ça ne me pose absolument aucun problème, hein. Je fais des économies là-dessus et je gagne du temps à ne pas changer mes fils de surjetteuse. Pour ce qui est donc des ajustements que j'ai fait, j'ai donc réduit la hauteur du buste. Donc j'ai tout simplement, en fait, j'ai pas réduit de façon conventionnelle parce que je voulais garder en fait l'aisance dans le dos. Donc j'ai en fait retaillé le haut de mon patron un peu de cette forme là puisqu'il a une forme un peu spéciale à cause du pli. Ça a plutôt bien marché, après j'ai quand même eu des ajustements à faire, donc j'ai quand même dû découdre la ceinture, re-rentrer un petit peu la combinaison dans la ceinture et recoudre parce qu'encore une fois j'avais pas réduit suffisamment, donc le haut était encore un peu trop grand. J'ai également posé la braguette selon la méthode de Mèche d'Almas, mais je sais pas ce que j'ai fait, elle était hyper mal posée.
reposer, donc j'ai dû découdre la fermeture et la reposer une deuxième fois de façon beaucoup plus correcte. Et puis j'ai dû également changer l'élastique à l'arrière puisque j'avais mis un élastique beaucoup trop court et en fait c'était juste trop serré quoi. Donc voilà, c'est quand même les ajustements qu'on fait, même sur une deuxième version c'est pas encore parfait. Honnêtement je suis quand même super super fière de cette version là, je la trouve très cool. J'ai fait des ajustements sur le patron pour la largeur des jambes, ce qui fait que là j'ai une largeur de poche qui est correcte. Donc ça c'est vraiment cool, mais voilà, j'ai quand même encore quelques erreurs. Il n'y aura pas de version numéro 3 je pense, parce que là je commence un petit peu à en avoir ma dose du patron Tulia. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, mais de là à m'en coudre encore une version je pense pas. En revanche j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ces deux vêtements et j'en suis hyper fière quoi, elles sont trop cool. Donc celle-ci je la porte avec encore plus de fierté parce que là pour le coup on te voit passer hein, là... Voilà, là tu existes. Et là je vois qu'on est très saturé en termes de lumière. Je sais pas ce que ça va donner au montage, je verrai. Voilà. J'avais très envie de me coudre une robe et particulièrement depuis la sortie de la collection hiver de Clématis Pattern, de me coudre la robe Laurine de Clématis Pattern. Je vous la montre comme ça mais bien évidemment on la verra pas en entier. Il s'agit donc d'une robe que je qualifierais de Spanish vibes, un petit peu flamingo comme ça, avec ce décolleté plongeant mais pas vulgaire qui est juste sublime. Il y a des fronts sous la poitrine, ce qui fait un très beau tombé de poitrine. Il y a une parementure qui est tout simplement un repli du haut qui fait que c'est très très simple à coudre. On a ce devant qui est asymétrique avec le volant froncé en bas qui est juste sublime. Le dos avec ses pinces en losange comme ça qui font un tombé juste magnifique au niveau du creux des reins. Moi je trouve ça absolument à tomber. Et puis voilà la petite fermeture invisible. Alors l'avantage quand on ne sait pas poser des zips invisibles c'est qu'on peut les montrer en vidéo. Voilà le zip invisible qui est manifestement pas invisible chez moi. Mais bon voilà qui permet d'enfiler correctement la robe et d'être confortable. C'est une robe que j'ai cousue en taille 38. Toujours hein, chez Clématis Pattern, toujours de la taille 38. C'est un patron qui est vendu sur le site de Makerist au prix de 11€. Vous le trouvez aussi sur la plateforme le site de Clématis Pattern pour le prix de 11€ également. Je crois que je vous recommanderais plutôt d'aller acheter sur le site de Clématis Pattern puisque je pense que la plateforme Makerist prend une commission sur les patrons, j'imagine. Voilà, c'est une robe qui est juste somptueuse, qui a un tombé magnifique, qui est extrêmement facile à coudre. Pour vous dire d'ailleurs, c'est... un peu l'anecdote marrante qui fait un peu grincer les dents à mon copain. J'ai commencé en fait à monter le patron un dimanche après-midi en me disant « Allez c'est bon, j'assemble juste mes pièces de patron, je découpe ma taille et je verrai cette semaine si j'ai le temps de la coudre. » Puis finalement j'ai assemblé les pièces, c'était assez rapide. Et je me suis dit « Bah je vais découper les pièces dans le tissu, tant qu'à faire. Hein, » Il s'agit d'un petit coton, d'ailleurs c'est un coupon de coton que j'avais acheté en mercerie l'année dernière quand j'étais pas encore trop dans le tissu de seconde main et tout ça. Et donc c'est un coupon qui traîne dans mon stock, ça fait partie des tissus voilà que j'ai utilisé grâce au confinement et au magasin fermé on va dire. Et du coup c'est un tissu voilà qui traînait dans mon stock que je ne savais pas quoi faire dedans. Et je trouve que cette robe voilà c'est vraiment cool. Je pense qu'avec un petit collant et une petite veste en cuir par exemple, ça peut avoir un côté très rock, ou avec des petites baskets blanches, un petit sac à main, ça peut avoir un petit côté très preppy girl, très Blair Waldorf, que je trouve très cool. Donc voilà. Et pour la suite de l'histoire, donc je me dis bah je vais découper mon tissu puisque c'est rapide, j'ai le temps, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est cool. Donc je découpe mon tissu et puis quand je vois que j'ai fini de découper mes pièces, je me dis oh je vais épingler ce que j'ai besoin de coudre, tu vois, comme ça j'aurai déjà des petites étapes qui seront prêtes. Puis quand j'ai épinglé, que j'ai vu que c'était très simple, j'ai commencé à coudre et en quelques heures j'avais quasiment cousu ma robe alors qu'à la base j'avais pas du tout prévu de la coudre à ce moment là. Donc c'est pour vous dire qu'en fait elle est très très simple à coudre, très très rapide, elle est hyper hyper accessible je trouve pour les débutants, il n'y a pas de complications. La seule chose un peu chiante à faire potentiellement c'est les fronces et la pose du zip invisible sur le côté, mais il n'y a rien d'infaisable. Voilà, que dire d'autre à part qu'elle est juste super et je pense que je vais m'en faire d'autres versions. Je vais me faire des versions manches longues pour l'hiver, ça c'est sûr. Moi c'est le genre de pièce que j'aime beaucoup et ce décolleté voilà qui est juste à tomber pour la réouverture des terrasses, à tomber. Voilà, donc j'irai boire mon premier verre de vin blanc en terrasse avec cette robe, je le promets. Voilà. We love you. I fade out. Without strength, without love. I go senseless.
Alors, vous reconnaissez. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez de quoi je vais vous parler. Il s'agit de ma deuxième version de la veste Madame Dita qui va de pair avec la jupe que je porte actuellement, que je pourrais pas du coup vous montrer dans mes mains. Et donc il s'agit du dernier ensemble que j'ai cousu en vidéo. C'est un ensemble en toile de Jouy, donc dans un coton toile de Jouy juste magnifique, avec donc ces scènes paysannes juste sublimes. Je vous montre le dos de la veste. Voilà, avec cette femme qui cueille ses fameux fruits que je trouve très très beaux. Donc je crois que... Non, elle cueille des fleurs. Donc voilà, on a donc cette femme qui cueille ses fameuses fleurs comme ça que je trouve très cool. Et voilà, donc la veste Madame Dita. Donc c'est la deuxième version que je faisais. J'ai patronné la doublure, j'ai fait plein de petits ajustements. Les poches, les rabats de poches notamment sur le devant, les manchettes avec ces petits boutons, voilà, qui sont posés un petit peu n'importe comment. Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Voilà, je suis très 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 fière de cette veste, elle est juste top, et je suis très fière surtout de la doublure que j'ai réussi à faire. Vous voyez la parementure, voilà, avec la doublure qui se continue, j'en suis juste archi fan. Je la porte autant avec un jean qu'avec l'ensemble du coup que je me suis créé avec la jupe Neuilly, donc je vais vous parler juste après. Et voilà, et j'adore. Donc la veste Madame Dita, toujours le même patron, toujours dispo sur Makerist. Je ne sais plus à combien il est vendu, mais je crois que c'est un truc comme 6,50€ ou quelque chose comme ça. Et voilà, elle est vraiment très cool et j'en suis très très fan, quoi. Donc ce tissu, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment quelque chose, hein, pour le coup. Et donc pour ce qui est de la jupe Neuilly de Mèche Delmas que je porte là, j'aime bien la mettre avec un petit pull noir comme ça. Il s'agit donc d'une petite jupe portefeuille que je trouve très 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 cool, qui est hyper facile à coudre, vous l'avez vu dans la vidéo si vous l'avez regardé, et si c'est pas le cas, hein, elle est dans le i, elle est en barre d'infos, elle est partout. Voilà. Donc il s'agit d'une petite jupe portefeuille très simple à coudre que j'ai également doublée avec une popeline de coton. Donc ça, c'est des tissus, comme je vous disais dans la vidéo, que j'ai acheté neuf au magasin Toto Tissu à Épinal. C'était un coupon qui, voilà, clairement m'a tapé dans l'œil. D'ailleurs aussi, quand j'achète des tissus neufs, c'est très souvent des coupons, c'est-à-dire des métrages prédéfinis. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de me projeter, en fait. Et c'est un peu le même principe, hein, quand j'achète un tissu de seconde main, c'est souvent des morceaux... Voilà, c'est un métrage prédéfini, c'est un rideau avec une taille prédéfinie, c'est une housse de couette avec une taille prédéfinie, et donc ça me permet un peu d'envisager aussi les projets que je vais pouvoir coudre dans chaque coupon de tissu, puisque j'ai un métrage en fait imposé. Et ça, je trouve ça vachement bien. Moi, c'est un peu ce qui me convient. J'aime pas trop choisir mon métrage sur des rouleaux, c'est un peu frustrant pour moi. Et donc du coup, c'était un coupon de tissu que j'ai trouvé à l'entrée du magasin, qui m'a tapé dans l'œil et dont je n'ai pas pu résister. Voilà, et pour ce qui est de la jupe Neuilly, comme je vous le disais dans la vidéo, très simple à coudre, très chouette, doublée avec une petite popeline de coton, donc c'est la même que vous retrouvez ici, que j'avais également acheté neuve. Voilà, très bel ensemble, moi j'en suis hyper hyper fan, très facile à coudre, et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, parce que vraiment je vous en ai beaucoup parlé en vidéo, et j'ai pas envie de m'étaler 500 ans dessus, mais globalement j'en suis très contente, et je suis très fière d'avoir cousu un ensemble qui fonctionne aussi bien ensemble que séparément, donc ça c'est assez chouette. Pour terminer cette vidéo, je voudrais quand même vous parler un petit peu des prochains projets couture qui m'ont arrivé. J'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de tissus notamment qui traînent quelque part dans le bureau, voilà, que j'avais très envie de coudre. J'ai notamment... Hop, c'est juste là, j'ai notamment fait l'acquisition du livre Ma garde-robe Bohème Chic de Charlène Plot, donc qui est une aka Charlène Hens sur Instagram, qui est une blogueuse influenceuse couture qui est juste voilà, incroyable, qui coupe beaucoup de choses très 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 jolies. Et donc elle a sorti son bouquin il y a quelques semaines, au début du mois d'avril je crois, qui s'appelle donc Ma garde-robe Bohème Chic, et il y a plein de patrons que j'ai envie de me faire. Je vous montre notamment les petites choses que j'ai envie de me coudre. Il y a des patrons, mais ce haut là, ce crop top, donc le crop top Marguerite avec ses froufrous sur les épaules, ses volants magnifiques, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Donc ça, j'ai très envie, je l'ai déjà décalqué. J'ai également repéré le short Mimosa, qui est un petit short comme ça avec des volants juste à tomber. Et puis également, je vous montre les trois modèles que j'ai prévu de me coudre prochainement. La petite blouse rose, voilà, avec son encolure carrée, que je trouve très belle. Voilà, donc je pense que les prochaines vidéos couture vont notamment tourner autour de ce bouquin. J'ai très très envie de l'utiliser, en tout cas de me coudre des vêtements voilà, issus de ce livre. En tout cas, je vous en reparlerai, parce que voilà, je le trouve très cool. Les gammes de montage ont l'air très chouettes. Enfin, il est très beau.
Il est très très beau, voilà. Et puis voilà, j'ai aussi un petit peu l'idée de me coudre quelques petites choses. Vous voyez derrière là sur le panneau rouge, j'ai quelques petits croquis que j'ai fait notamment à partir de ma vidéo sur les silhouettes de couture que je vous remets quelque part où je vous montrerai comment j'ai dessiné mon carnet de silhouettes. Et donc j'ai quelques idées voilà de robes, notamment des patrons maison que j'ai envie de me faire. J'ai envie vraiment de me mettre aussi à l'art du patronage, donc à suivre la formation DP Studio avec Artesane pour apprendre à faire mes propres patrons. C'est en cours, notamment le buste de base est en cours, donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver je pense niveau couture. J'ai aussi très envie de vous parler de recyclage et de patchwork quand ça va venir aussi, voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de continuer à me suivre et surtout voilà de suivre mon travail. En tout cas moi je suis très contente de pouvoir partager tout ça avec vous sur internet, c'est très cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater, laisser un petit commentaire, ça fait toujours super super plaisir de vous lire et je réponds à tout le monde hein. Donc ça c'est assez cool. Et puis voilà, si vous cousez peut-être un de ces patrons, n'hésitez pas à le mentionner et pourquoi pas m'envoyer des photos sur Instagram. Je vous remets de toute façon mon pseudo et toutes les informations, à savoir soit sur la vidéo soit en barre d'infos comme d'habitude. Et puis voilà, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine.